Et maintenant, une petite mise en situation. Après avoir sélectionné la classe, on sélectionne les questions qu'on a préalablement enregistrées sur le site Pickers. Et c'est parti. On sélectionne la première question. Cette question s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, sur l'écran du vidéoprojecteur et sur celui du téléphone. Il ne reste plus qu'à scanner les réponses des élèves. Avec le téléphone, on appuie sur le bouton. On a directement les réponses en live des élèves, vert pour une bonne réponse, rouge pour une mauvaise réponse, ce qui donne déjà une bonne idée des réponses des élèves. De plus, sur l'écran, va s'afficher les noms des élèves qui auront répondu. Donc, on peut continuer à scanner si besoin. Maintenant, une fois que on termine, on se retrouve avec les scores. Les élèves ne le voient pas. Mais on peut faire visualiser aux élèves les graphiques. Le graphique qui va donner le nombre de réponses par proposition. Ou alors, même, on peut montrer la bonne réponse. Cette bonne réponse, qui sera indiquée en vert sur le tableau, pourra amener à un tonnerre d'applaudissements.